Bonsoir mes amis, bienvenue à cette méditation destinée à la reconnaissance de qui nous sommes au-delà de la forme, au-delà du connaissable. Une méditation qui sera particulière ce soir, puisque je me trouve depuis déjà quelques heures plongé dans un silence très profond que je me réjouis de partager avec vous. C'est de ce silence qu'émerge en moi la grâce de vous éveiller à votre vraie nature. La méditation de ce soir sera essentiellement un bain dans cette grâce, dans cet amour infini, dans cette douceur irrésistible dans laquelle nous allons nous détendre et nous offrir totalement. Si vous sentez que c'est utile pour vous de faire les alignements, je vous laisse les faire. Je vais immédiatement fermer les yeux pour retrouver et vraiment laisser se répandre sur chacun de vous, voire sur la planète entière, cette lumière silencieuse que nous sommes vraiment. Les œuvres qui nous accompagnent ce soir sont derrière moi la grande qui s'appelle Colombe d'or, qui est très parlante pour moi, qui suis actuellement dans la reconnaissance aussi de l'Esprit Saint que je suis au-delà de la conscience pure. Il y a tellement d'étages de niveau de soi qui peuvent être reconnus. Alors, cette colombe dorée qui descend du ciel est vraiment l'expression de ce que nous sommes au tout début de la forme qui va s'incarner. Et la petite œuvre s'intitule « Infini ». Je vous demande donc de simplement vous détendre, de vous abandonner autant que c'est possible pour vous de le faire en cet instant. De savoir que plus vous vous abandonnez, plus vous vous rapprochez de votre vérité intérieure, impersonnelle. Simplement respirez amplement et faites de ce que vous appelez moi une offrande à la vie, à Dieu ou à la source.
Sentez-vous relié avec les 300 personnes qui sont actuellement connectées? Et tout particulièrement ce soir, sentez votre connexion avec moi, avec mon cœur, avec l'espace dans lequel la forme Claudette baigne. Un espace de grâce. La grâce divine qui descend sur nous. Déjà, nous respirons à l'unisson. Bientôt, nos cœurs vont battre à l'unisson. Nous ne formerons qu'une seule entité. Découvrant la vérité ultime à propos de soi. Le silence est de plus en plus dense et profond.
et la grâce de voir qui nous sommes s'offre à tous ceux qui sont capables de l'accueillir, ceux dont le terrain est fertile. Si vous avez soif de vérité, cette grâce est pour vous. Vous êtes celui qui est.
Si vous avez besoin d'un soin ce soir, c'est ce que vous recevrez. Si vous avez besoin de vous remplir d'amour, c'est ce qui va se passer. Si vous avez besoin de redevenir présent à vous, vous le serez. Et si vous êtes prêt à découvrir qui vous êtes, cela pourrait se passer. Vous serez fécondé ce soir. Vous n'êtes pas votre corps. Vous n'êtes pas vos émotions. Vous n'êtes pas votre mental. Vous n'êtes pas votre identité sociale. Vous n'êtes rien de ce qui appartient au relatif. Vous êtes l'absolu incarné dans le relatif. Ce que vous êtes est d'une nature différente. Ce qui se passe en cet instant est largement au-dessus du mental et le mental ne peut pas le comprendre. Il peut simplement s'incliner et rester en silence et baigner dans cette grâce.
s'il est possible de dire « Je suis amour, je suis source, je suis conscience. » Il est quelque chose au-delà de ces particularités fort justes par ailleurs. La vérité la plus profonde à propos de qui je suis est « je ne suis rien ». Ce rien pouvant être tout. Toute la beauté et toute la laideur, toutes les guerres et toute la paix, tout l'amour et tous les manques d'amour. Je suis tout ce qui est.
vous êtes l'infini, s'exprimant amoureusement dans le fini. Toute création, quelle qu'elle soit, est inévitablement une création amoureuse.
notre méditation rayonne sur toute la planète en cet instant. Cette grâce de voir qui nous sommes se propage librement et joyeusement. Je vous invite à revenir doucement au contact de la réalité de votre corps et de votre environnement. Bougez votre corps, massez-le si ça lui fait plaisir. C'est plutôt amusant de voir ce que la vie nous propose. Le thème de la méditation de la semaine dernière sur le basculement planétaire a intéressé un grand nombre de personnes, ce qui fait que les méditations qui sont vues en une semaine normalement 1500 ou 2000 fois, cette vidéo de la semaine dernière a été vue au moins par 8000 personnes. Et c'est vrai que de comprendre ce grand chaos planétaire, voire de s'harmoniser avec cette réalité, interpelle un grand nombre de personnes. Le sujet de ce soir, je le sais, est déjà beaucoup plus restreint en termes d'intérêt. Découvrir simplement la vérité à propos de qui nous sommes est moins populaire, tellement plus profond cependant. Alors, qu'importe quel était votre intérêt ce soir, il y a eu cette grâce qui était disponible en fonction des besoins de chacun, mais bien sûr axée sur la reconnaissance de qui nous sommes. À chacun de vous.
et à tous nos frères humains. Namasté.